Salut à tous, Eric le coach Galago Music. Merci d'avoir répondu si nombreux la semaine dernière à la vidéo concernant le medley des 10 intros de piano. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours cliquer là-haut ou là-haut, je ne sais pas, afin de la découvrir. C'est 10 morceaux de piano, uniquement un instrumental. Et le but du jeu, c'était voter pour le morceau qui vous plaît le plus afin que je le traite en tutoriel. Donc devant le succès du truc, je me suis dit que je ferais exactement la même chose pour la guitare, bien entendu. Et je voulais du coup vous donner les résultats des votes. Bon, vous avez vu le nom de la vidéo, donc vous savez lequel qui a gagné. Néanmoins, voici le petit listing des résultats, comme ça je saurai quoi choisir pour le prochain tutoriel. Oui, ce sera Mistral gagnant de Renault. Merci également à Madeline qui a fait le décompte à la main, c'est-à-dire que je m'y suis très mal pris. Ce qui fait qu'il a fallu compter chaque vote dans YouTube, c'était très long. Et comme très souvent chez Galago, c'est toujours fait maison. Donc là, en l'occurrence, ça donnait quelque chose comme ça. Ça, c'est le résultat des votes. Oui, des petites barres et des croix. Donc la chanson du jour est Show Must Go On, que vous trouverez sur l'album Innuendo, sorti en 1991. Et donc ce mégatube se trouve être la dernière piste de l'album, qui sera également la dernière chanson diffusée du vivant de Freddie Mercury, qui s'éteindra quelques mois plus tard, fin 1991. Donc dans la version que je vous propose, j'ai intégré la mélodie à la main droite et l'accompagnement à la main gauche. Comme ça, vous aurez une version vraiment instrumentale, vous n'aurez pas besoin de vous égosiller à chanter par-dessus. Donc j'ai pas traité tout le morceau, j'ai fait uniquement l'intro, les deux couplets et le refrain. Normalement, il y aura encore un autre couplet, un pont et tout ça qui sont modulants. Mais pour éviter d'avoir une vidéo comme ça qui ne dure des plombes, je me suis dit que j'irais à l'essentiel et je pense qu'avec ça, vous pourrez déjà briller. Allez, j'arrête de causer, on attaque. Alors je vais donc vous expliquer les trois premières parties de ce morceau, intro, couplet, refrain. On commence par l'intro, bravo. Comme d'habitude, hein, afin que vous puissiez vous repérer, mon do du milieu est ici, voilà. Alors le premier accord, ça va être un si mineur renversé. Donc si vous ne connaissez pas du tout le nom des accords, tout ça, je vous invite, comme d'hab, à vous référer à ma première vidéo grand débutant, justement, qui parle d'harmonie, de construction d'accords et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, on peut s'en sortir même sans l'avoir vu. Alors le premier accord donnera un fa dièse au pouce, un si et un ré. Voilà, et on va taper cet accord-là 4 fois de suite. 1, 2, 3, 4. Très bien. Ensuite, on va faire fa dièse, si, do dièse. 4 fois de suite aussi. 1, 2, 3, 4. Avec ça, vous avez votre première mesure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire un fa dièse, si, mi. De cette façon, 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et on reviendra sur un si mineur, fa dièse, si, ré, 4 fois d'affilée. Vous savez faire les deux premières mesures de l'intro, bravo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors ensuite, on va vers un accord de sol majeur pour la troisième mesure. On va juste décaler le pouce sur la note sol et l'accord donnera sol, si, ré, qu'on tapera 4 fois de suite. 1, 2, 3, 4, ensuite sol, si, do dièse. 1, 2, 3, 4, ensuite sol, si, mi. 1, 2, 3, 4. 4 et on revient sur sol, si, ré, 4 fois. C'était les mesures 3 et 4. Je vous refais ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc les 4 premières mesures d'affilée. Fa dièse, si, ré. Fa dièse, si, do dièse. Fa dièse, si, mi. Fa dièse, si, ré. Ensuite, sol majeur. Sol, si, do dièse. Sol, si, mi. Sol, si, ré. Les mesures 5 et 6, on va retaper 4 fois d'affilée l'accord de sol majeur à la main droite. 1, 2, 3, 4, puis re, sol, si, do, dièse, comme on avait avant. Et ensuite, ça change à la mesure 6, puisqu'on va re-rentrer dans les touches. On va conserver le si et le do dièse là où ils sont. Et on va jouer au pouce la note fa dièse. Et on tape cet accord-là 4 fois de suite. 1, 2, 3, 4, et ensuite on désuspend cet accord, puisque c'est un accord de fa dièse sus 4. Mais bref, peu importe, on décale l'index sur le la dièse afin de jouer un fa dièse majeur 4 fois. 1, 2, 3, 4. Donc les mesures 5 et 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je rentre dans les touches. Et pour terminer l'intro, je me dirige vers un mi mineur, mi sol si. Celui-là, on va le faire durer deux temps complets, puisque c'est une blanche. C'est comme si on comptait quatre croches dedans. 1, 2, 3, 4, suivi de la dièse, qui vient remplacer la note si, tandis que le mi et le sol restent enfoncés. Donc la septième mesure. 1, 2, 3, 4, 1. Et ensuite, la mélodie commencera. Empty spaces, ce qu'on verra après. Alors cette intro ne serait rien sans la main gauche, hein, puisque c'est elle qui fait un contre-champ hyper intéressant. Donc vous pourrez vraiment mettre du poids ici afin de créer une contre-mélodie qui viendra compléter les notes de main droite. Alors je pense pas avoir besoin de trop détailler ce qui va se passer, je pense qu'on a bien tous dans l'oreille la mélodie, je vais juste vous montrer les notes utilisées. Bah, on commence par un si, après on aura besoin d'un la, ensuite d'un sol, ensuite d'un fa dièse,
ensuite d'un mi, donc c'est vraiment une descente de gamme. Après, on reviendra sur fa dièse et on rejouera mi en dessous, d'accord? Voilà. Alors, je vais le jouer très lentement. Regardez bien quand ça change en bas, mais je pense que vous y arriverez, pas de problème. Ce qu'il faut, c'est que vous connaissiez absolument par cœur votre main droite, histoire que vous cherchiez pas les notes, quoi. Alors, je le joue une fois sans pédale. Vous allez voir, il va manquer vraiment quelque chose, mais je vous le montrerai après. Alors. Je descends sur un La, sur l'accord de Sol majeur, je joue un Sol à la basse. Je vais jouer mon Fa dièse à la basse maintenant, après Mi à la basse, ce qui me fait un accord de Mi mineur 7, bref. Et là, attention, quand on rentre dans les touches pour mettre le pouce sur le Fa dièse, je joue un Fa dièse à la main gauche. Et sur le Mi mineur de main droite, je joue Mi à la basse. Pour le placement de la pédale, vous le voyez tout au bout, c'est le petit truc jaune qui clignote vite fait. Là, j'appuie pas, là, j'appuie. Bon, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on change d'accord à la main droite, si on a par exemple Fa dièse ciré 4 fois de suite, bon là, on l'appuie dès le début, pas de problème. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais attaquer mon nouvel accord, ma pédale est toujours enfoncée, je tape le nouvel accord, hop, et c'est juste après qu'on soulève le pied et qu'on va réappuyer la pédale. Le plus grand risque, généralement, c'est de vouloir enlever le pied en même temps que les doigts. Et là, ça ne marche pas puisque ça donnerait ça. Ça marche pas. Non, ce qu'il faut, c'est créer un tuilage. Alors, le tuilage, c'est le fait, justement, d'attendre la sonorité du nouvel accord, de la nouvelle harmonie. Et juste après qu'on l'ait entendu, on enlève le pied rapidos et on rappuie également rapidos. Alors, je l'appuie dès le début. Je change. Je change. Je change. Je rechange. Ici, la main gauche va rejouer les mêmes harmonies que faisait la main droite dans l'intro, c'est-à-dire que la main droite au début commençait sur Fa dièse ciré, un Si mineur, et bien ce Fa dièse ciré va être pris par la main gauche. Donc commençons ce couplet par voir déjà ce qui se passe ici, et puis après on rajoutera la mélodie par-dessus. Donc, 1, 2, 3, 4, Fa dièse Si Do dièse, c'est exactement pareil, hein. Fa dièse Si Mi, Fa dièse ciré, après Sol ciré, là jusque-là c'est tout à fait pareil, hein. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Ré. Et là, par contre, attention, ça change un petit peu. On va faire Mi mineur, c'est-à-dire Mi, Sol, Si. 1, 2, 3, 4, suivi de Mi, Sol, Do, dièse. Et après, on retrouve ce qu'on avait normal, c'est-à-dire Fa dièse, Si, Do, dièse. Puis comme tout à l'heure, le Mi qui dure longtemps et le La dièse. Voilà. Dans la démo d'ailleurs, je crois que ce Mi mineur, au lieu de le faire durer longtemps, j'ai fait 1, 2, 3, 4, voilà. La mélodie de main droite, oui. Alors dans le couplet, commence comme ça. Si, Ré, Do, dièse, Ré. Ré, Ré, Do, dièse, Si, Si. Ré, Ré, Do, Ré. Ré, Mi, Fa dièse, Sol, Mi. Voilà, déjà jusqu'ici. Alors là, c'est pareil, il va falloir que vous fassiez confiance à votre oreille pour arriver à trouver exactement quand changer la main droite par rapport à la main gauche. La main gauche, c'est votre métronome ici, elle ne s'arrête pas, elle. Donc, pas vite. Alors on sortait de l'intro, ça finissait comme ça. Mi mineur avec le coup du La dièse. Très bien. Ensuite, la main droite se déplace pour faire Si, Ré. Dès que ça c'est fait, la main gauche va attaquer son Fa dièse Si, Ré, en même temps que le Do dièse à la main droite. Do. Que la fin de l'intro est déjà jouée, j'attaque directement le début du couplet. Empty spaces,
Ensuite, la main droite se déplacera sur le mi mineur. La main droite jouera. All alone. Does anybody know what we are looking for? Voilà. Alors, avec la main gauche. All alone. Does anybody know what we are living for? Ben voilà, vous savez faire les couplets, bravo. Je vous rejoue les 7 mesures pas vite. Au niveau du rythme, fiez-vous à l'oreille, parce que bon, quand on essaie de repiquer rythmiquement des interventions de voix, souvent c'est difficile, parce qu'il y a plein de petites inflexions. Faites-le vraiment au feeling, ce qui compte c'est d'avoir les bonnes notes. Fa, sol, fa, sol. Et là je fais une petite accélération à la main droite. Fa, sol, je joue la main gauche, après. Accélération, voilà, et là pareil, accélération. On referait ça une deuxième fois pour faire un deuxième couplet avec des mini-variantes, mais je ne pense pas que ce soit très utile de vous l'expliquer. Ce qui compte, c'est que vous ayez bien saisi l'accompagnement de main gauche et comment choper vraiment à l'oreille la mélodie que chante Freddie Mercury et que ça puisse correspondre à ce que vous avez dans l'oreille au niveau de votre mémoire du morceau. Alors je vous joue le couplet de RAC, c'est-à-dire que je redéroule comme le premier couplet. Il y aura une toute petite variante à la fin. Essayez de la repiquer à l'oreille si vous le souhaitez, sinon c'est pas bien grave. Deuxième couplet. C'est que dans ce refrain, la main gauche joue exactement la même chose que ce qu'on faisait dans le couplet. Sauf à la sortie du refrain où il y a un petit truc qui change, mais autrement, c'est exactement la même chose. Donc ce qu'il faut, c'est repérer c'est quoi la mélodie de la main droite. Alors je reprends un tout petit peu avant l'arrivée du refrain, c'est-à-dire la fin du deuxième couplet. Et là, le refrain entre en piste. On va aller chercher avec le petit doigt la note Si à l'octave du pouce pour faire Chamasco Si la Fa dièse. D'accord. Ensuite, deuxième fois qu'il répète le show must go on, peut faire une petite octave rapidos. The show must go on. Et cette fois-ci, c'est un sol au lieu du fa qu'on avait au début. Alors, début du refrain. Show must go si la fa. La main gauche fait son truc, blablabla. Ensuite, si, 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 la sol. Voilà. Ensuite, on va jouer sur sol et fa dièse pour faire. Inside my heart is breaking. Ensuite, my wake up may be flaking by my smile. Donc les notes qu'on a utilisées, fa dièse sol la, puis on est redescendu, sol fa dièse mi. Inside my heart is breaking, my wake up may be flaking by my smile. Et pour terminer, still stays on. Ouais, on essaye tout ça avec la main gauche. Thank you.
le placement de ma mélodie à main droite, je me rends compte, est très fluctuant. Hein, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit deux partages préétablis, je le fais à l'oreille, ce qui fait que de temps en temps, mon rythme à la main droite va essayer de se caler par rapport à ce que me dit ma mémoire du morceau, et il se peut que ça change un petit peu. Donc ce qui est très important quand on fait ce genre de repiquage, c'est d'essayer de le chanter, ou de le chantonner en tous les cas, afin de faire en sorte que ce soit votre voix qui décide ce que vont faire vos doigts. Enfin voilà, c'est mon conseil. Je vous rejoue, tout depuis le début, et c'est terminé. Intro. Normalement, il y a encore un autre refrain, mais dans une autre tonalité, c'est-à-dire un refrain. Et ce coup-ci, on est en Do dièse mineur, au lieu d'être en Si mineur. Et ensuite, il y a encore un pont, mais pour éviter que ce tuto ne dure 25 minutes, je crois que c'est embêtant pour tout le monde. Je préfère vous montrer uniquement les trois premières parties que je vous ai montrées. Intro, couplet, refrain. Tada ! Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, vous pouvez liker, laisser un commentaire ou même vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche, vous pourrez, si vous le souhaitez, recevoir par mail la notification comme quoi un nouveau tuto Galago est sorti. Allez, je vous laisse bosser, je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao !